matin qui se font la malle. Quand je vois le journal télévisé, je bouffe tous mes ongles et je claque des dents. Je deviens flippé, c'est évident. Par petit écran interposé, la guerre des nerfs a commencé. Allez les nerfs, on va gagner. Pour être à l'abri des chocs pétroliers, j'ai rempli d'essence la baignoire et l'évier. Ce qui se passe au Liban ou bien à Kaboul, ça me fout les boules. Un avion s'écrase au Togo, j'y vais jamais, mais j'ai eu chaud. Les seuls voyages qui me font pas peur sont ceux que je fais en ascenseur. Et encore, je suis miné, complètement miné. Je suis miné, complètement miné. Je suis miné, complètement miné. À tout moment, je peux exploser. Samedi soir avant JR, je vais me taper un hamburger. Je mets 3 minutes pour l'avaler et tout le week-end pour digérer. Le seul plaisir qui était pas cher, c'était de s'envoyer en l'air. Seulement l'herpès fait des ravages et je veux pas être victime du carnage. D'après ce qu'on dit, bientôt les Russes viendraient en char jusqu'à Picpus. Ce sera le début des années noires. Va falloir se mettre au caviar. Moi les Pershing, les SS-20, rien que d'en parler, c'est la panique. J'ai un abri anti-atomique dans les vieux WC au fond du jardin. C'est très fasciné, ça semble complètement miné. Je suis miné, complètement miné. Je suis miné, complètement miné. À tout moment, je peux exploser. Je suis miné, complètement miné. Ah oui, vraiment, je suis miné. La nuit que la mère Denis fait sa lessive dans mon lit. Aznavour et Tranès sur quelques notes chantent les louanges d'un parfum pour chiottes. J'ai la fraîcheur de vivre et la soif d'aujourd'hui. Voudrais manger des pâtes mais ça dépend d'Annie. Je suis trop sensible à la pub. On me ferait manger de la merde en tube. Mais j'étouffe dans cette sauce